Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là-dessus, abonnez-vous pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Nyang's Reborn. Vous le savez déjà, vous le savez déjà. Nous allons réagir sur le témoignage précédent. Soyez prêts, soyez prêts. Si vous avez regardé ce témoignage, nous allons vous dire ici ce qui nous a touché. Et vous, vous pouvez tout simplement réagir en dessous de cette vidéo pour nous dire clairement ce qui vous a touché. Que Dieu vous garde, vous bénisse. C'est parti. Yeah! De quoi s'agit-il? Le témoignage précédent, c'était un témoignage très puissant qui parle de sorcellerie, qui parle également de des sirènes, des démons, qui parle en même temps de séduction. Tout est dans ce témoignage. Mais voici c'est quelque chose de vraiment grave qui s'est passé dans ce témoignage, le témoignage précédent, qui nous a tellement dépassé que hier même nous avons fait un live pour vous prévenir que ce témoignage serait là. C'est ce que nous allons vous dire ici. Hey, mes frères et sœurs, dans ce témoignage, cette sœur-là, écoutez, vous allez découvrir. Il va dire qu'il a été initié. Il a été initié. Par qui? Par son grand-père. Son grand-père était venu à la maison comme tous les autres grands-pères pour saluer la famille. Mais la famille ne savait pas que ce grand-père était venu en mission. Sa mission était d'initier quelqu'un de la famille pour détruire la famille. Et cette personne qui va être initiée là, va se retrouver plus tard dans un endroit bizarre où il va voir des gens en train de danser, en train de faire des trucs bizarres. Par la suite, après cette initiation, que va-t-il se passer? Il va tout simplement se retrouver dans un endroit où on va lui demander tout simplement de rentrer en contact avec qui? Des sirènes pour perfectionner son pouvoir. Mes frères et sœurs, c'est grave. Après cela, voici, ils vont lui demander de faire quoi? Des sacrifices. Et cette personne-là aura la faculté, la possibilité de se transformer en femme ou en homme. Ah! Et quand cette personne peut être devenue sorcière, se transforme en femme, c'est qu'elle va séduire un homme. Quand elle se transforme en homme, c'est qu'elle va séduire une femme. Et quand elle séduit une femme qu'elle amène à l'hôtel, le résultat, c'est la mort. Hey! Et ce qui est étrange ici, c'est qu'elle utilise une arme redoutable qui est la séduction. Elle séduit ses victimes par son apparence et par son comportement. C'est une personne vertueuse. Ah! Ce témoignage précédent était un témoignage très puissant. J'étais un coup d'œil là-dessus. Ce qui m'a touché, c'est ça. Un directeur. Il a une femme à la maison. Ahmed va rencontrer une femme dehors. Et il va amener cette femme à l'hôtel. Et la femme qui va amener à l'hôtel là, à un moment donné, va se transformer, va prendre l'apparence ou encore la forme qu'elle a dans le monde spirituel ou encore dans le monde de la sorcellerie. Mais en ce moment-là, ce serait fini pour cet homme. Parce que déjà, même quand il y a eu contact, même au niveau des lèvres, échange des salives, elle lui a déjà transmis des venins du serpent. Parce que vous devez savoir qu'un sorcier qui est là a la possibilité d'être possédé
possédés par qui? Par des esprits impurs. Et ces esprits impurs peuvent avoir la forme des serpents, avec les caractéristiques des serpents les plus venimeux de la planète. Mes frères et sœurs, ça veut dire que quand vous entrez dans un endroit où vous rencontrez une femme ou une personne, vous devez vous assurer que cette personne a l'esprit de Dieu en elle et vient de Dieu. Sinon, vous allez rentrer en contact avec un agent de Satan et ça serait fini pour vous. Si nous sommes revenus encore sur cette vidéo pour vous dire, voici notre réaction, mes frères et sœurs, oh là là, c'est que c'est grave. Quand nous avons fait cette vidéo qui parle de la femme qu'il a amenée à l'hôtel, s'est transformée en serpent et en cercueil, il y a beaucoup de personnes de la partie commentaire qui ont dit, comment est-ce que c'est possible? Nyan Scribble, est-ce que tu n'es pas en train de nous inventer de ces histoires? Si ça n'existait pas, on ne parlerait pas de ça. Si ces choses n'étaient pas réelles, on ne parlerait pas de ça, mes frères et sœurs. Ah! Le monde dans lequel nous nous trouvons là, c'est un monde compliqué. Et même quand on marche avec des sorciers, on mange même avec eux. On marche avec des démons. Ils peuvent nous voir. Parfois même là, ils vous demandent l'heure. Mes frères et sœurs, c'est l'heure de vous réveiller. Si vous êtes dans la vie de débauche, vous êtes en danger. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, là même c'est grave. Parce que le diable et ses démons là, eux ils voient les êtres humains, ils les appellent même des cobayes. Tout ça dans les témoignages précédents. À la fin de cette vidéo, la vidéo sera là. Vous allez voir plusieurs thèmes. La séduction, la sorcellerie, les sirènes, les démons, dans une vidéo très puissante. Incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, le diable, pour entrer dans une famille, il initie les gens. Et quand le diable initie quelqu'un dans votre famille, si vous n'êtes pas chrétien, c'est fini pour vous. Parce que cette personne va tout faire pour détruire les gens de la famille. Si vous allez à l'école et que vous voulez réussir, que cette personne, qui est sorcière, qui est animée de mauvaise vie, a découvert cela, elle va chercher à mettre fin à cela, à renverser cette situation, de sorte que vous vous lamentiez toujours. Oui, cette personne va tout faire, va tout mettre en œuvre pour que vous souffriez et que vous ne réussissez pas. Vous allez voir que quand vous allez déposer des dossiers quelque part, ça ne va pas marcher. Même Dieu peut vous montrer en songe même qu'il y a quelqu'un qui va prendre vos décès là après. Et cette personne là se trouve où? Dans la famille. Cette personne ne va jamais se trouver loin. Elle ne va jamais se trouver dans un endroit autre que la famille. Elle sera toujours chez vous. Ça veut dire que vous devez connaître l'état d'âme de ceux avec qui vous vivez. Ceux qui se trouvent dans votre maison. Est-ce que ma femme là, elle a l'esprit de Dieu? C'est pas une sorcière par hasard? Est-ce que mon frère là, c'est pas un sorcier par hasard? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne pensez pas que je sois venu pour venir sur la terre pour envoyer la paix, mais la guerre. Le père sera divisé contre le fils, la fille contre la belle-mère. Ça s'est mélangé. Vous pensez que c'est quoi? C'est ça là même le problème qui est à la base. La sorcellerie, le diable qui détruit la vie des gens. La sorcellerie, chez les blancs, chez les noirs, partout, le diable a décidé d'infester tous les endroits. Et les sirènes sont des démons. Les sirènes même marchent parmi nous. Parfois même là, vous leur demandez leur numéro. Salut, tu n'as pas un 06. Quel est ton numéro? Je peux t'appeler. Mais c'est une sirène, c'est un démon. Tu ne sais pas. C'était même en coucher avec des démons. Des hommes qui sont stériles, ils ne savent même pas d'où ça vient. Mais tu as couché avec une sirène il y a longtemps, mais tu n'es pas au courant. Si tu n'es pas comme moi, c'est la grâce de Dieu. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour être délivré. Parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Dieu passe par Nyan Scribble pour vous parler. Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous parler, mes frères et sœurs. Dieu nous aime. Il veut nous sauver. Il y a tellement de chaînes YouTube aujourd'hui.
Il y a tellement de personnes qui vous parlent de l'évangile et qui vous révèlent ces choses. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est de la blague. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est de la rigolade. Mais le témoignage précédent, qui va même paraître à la fin de cette vidéo, va vous convaincre que Jésus est réel et qu'il faut faire attention parce que nous sommes dans un monde dangereux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention à votre vie. S'il vous plaît, regardez le témoignage là. Regardez ce témoignage là. Et partagez ce témoignage à tout le monde. Afin que les gens puissent découvrir. Rentrez en contact avec ce témoignage. Découvrez seulement toutes ces informations là. Et vous-même, vous allez comprendre que tout ce que nous vous racontons ici, ce n'est pas des fables. Ce n'est pas de la plaisanterie. Jésus est réel. Satan est réel. Les sorciers sont réels. Mais les vrais chrétiens, eux aussi, sont puissants. Ils sont là. Soyez vrais chrétiens. Acceptez la vie. Acceptez Jésus que chez vous. Et Dieu lui-même va vous aider de tout ce que vous faites. C'est un chemin difficile. Marcher avec Dieu. Accepter le Seigneur Jésus Christ aujourd'hui signifie opposition. Parce que qu'est-ce qui va mettre opposition? Ce sont les sorciers, le diable lui-même va venir. Avec tous les sorciers de la planète pour vous combattre. Mais il ne faut pas vous vaincre. Si vous demeurez dans la foi basée sur la parole de Dieu, en Jésus-Christ, vous serez sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Matthieu 4 nous dit tout. Lisez tout. Lisez la parole de Dieu. Écoutez bien ces témoignages. Lisez la parole de Dieu. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Et soyez armés avec une foi ferme. Dans ces derniers temps, nous avons besoin que Dieu nous donne le discernement pour avoir les yeux bien ouverts et de ne pas se laisser séduire. Ce n'est pas tout ce qui brille aujourd'hui là, que de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille aujourd'hui, mes frères et sœurs, que de l'or. Le diable aujourd'hui existe et le diable nous combat sérieusement, mais Dieu lui-même va nous aider dans toutes les dimensions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous garde et que vous bénisse. À bientôt.